Ça va les gars? Salut. Ça va? Vous pouvez rentrer. Bon les gars, comment vous vous sentez au matin du match, là, à quelques heures du match? Ouais, bien avant. Ça va? Ça va. Comment ça s'est passé la semaine là? Bien préparé? Ouais, bien préparé. Hein. Il y avait un bon état d'esprit toute la semaine. Et aussi, genre, on avait les encouragements de tout le club, on a senti comme quoi, genre, tout le personnel qui était derrière nous. Ça veut dire, ça faisait plaisir aussi. Là, tout s'est bien passé, vraiment. On avait une bonne cohésion d'équipe. Même pendant les entraînements, on sentait qu'il y avait une cohésion, on était bien entre nous et voilà, tout s'est bien passé. Et surtout, je pense que c'est la Gambardella qui rapproche aussi. Malgré qu'on avait déjà un bon groupe et tout, c'est encore possible d'avoir pu se rapprocher. Une grosse fierté parce que c'est pas tout le monde qui la joue. Après, il y a eu les 2004 qui l'ont joué il y a 2 ans. Et là, nous, maintenant, on l'a fait. On va espérer d'aller jusqu'au bout. En finale, et même, pourquoi pas la gagner. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité. Ouais, il a tout de suite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 30 matchs, 0 défaite. Plus les matchs de Gambard, 0 défaite. Championnat, ils n'ont eu que 3 nuls, 72 buts, 15 encaissés. Et en Gambard, éliminer des clubs pro comme Saint-Étienne, Metz. Ça veut dire quoi? Ils ont l'habitude. Mais par contre, ils n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire que sur toute la saison, eux, mentalement, nous, on a connu la défaite. Donc, sur des matchs, on a été menés, on est revenus. Eux, ils n'ont pas ça. Donc ça va être un atout supplémentaire pour nous. Parce que c'est une équipe, quand on va leur faire mal, ça va être dur pour eux de réagir. Par contre, dites-vous une chose, c'est que eux, dans leur tête, c'est positif, c'est 100%. Ok? On est concentré sur la tâche. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la tâche. On sait ce qu'on a à faire, on a notre projet de jeu et rien ne va nous perturber. Une fois qu'on est dans le vestiaire, qu'on aura coupé les téléphones, c'est fini. Sur le terrain, on n'aura que ses coéquipiers et la parole du coach quand il vous donne des consignes. Nous, on ne parle pas. On se replace. On fait une faute, on va serrer la main pour relever le joueur. S'il ne veut pas, pas de problème, on recule. Et on se place de suite. Mantes-la Jolie, le public, on perd des 2-1. Terrain catastrophique, on est revenu, on a gagné. Et des scénarios comme ça, on peut en citer plein. Clermont, finaliste l'année dernière, ils reviennent 3-2, match compliqué, on tient. On sait qu'on peut être mené, peu importe le scénario du match. Aujourd'hui, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout connu et qu'à la fin, on gagne. Et qu'à la fin, on gagne. Pour finir, les gars, tout simplement, c'est notre unité et notre humilité. Chaque fois qu'on a été humble, d'accord, on a eu des résultats. Dès qu'on veut se prendre pour d'autres, ça... Chaque fois qu'il y a eu des matchs clés où on s'est dit « oh là 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 », et je parle de ça sur 2 ans, hein. C'est pas que sur une année, hein. C'est sur 2 ans. Chaque fois qu'on reste unis et humbles, on va au bout. C'est bon. Ce qui va faire la différence aussi avec cette équipe qui est habituée à jouer contre des équipes inférieures, eux, ils n'ont pas le rythme qu'on a. Nous, il y en a certains, vous, depuis plusieurs mois, vous jouez à N3, certains, vous entraînez avec les pros, on joue face à des équipes de niveau national, club pro, l'intensité, nous, on l'a sur 90. Julie, elle a fait le job, on le voit, sur tous les matchs, il n'y a plus de soucis. Athlétiquement, vous êtes prêts. Donc par contre, on gère bien temps fort, temps faible, mais par contre, quand on se replace, c'est à fond. De l'attaquant au défenseur, d'accord? C'est ensemble qu'on revient. On doit finir ensemble le travail de 2 années, ok? Avec humilité et force. Allez, c'est parti.
Bonjour et bienvenue en ce samedi après-midi au stade Marcel Picot à Nancy. Coup d'envoi de cette demi-finale qui va opposer l'AS Nancy-Lorraine à l'Estac 3. Nguessant, lui, il avait ajusté de la tête et encore Nguessant. Et ben voilà, l'ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine. Les qualités footballistiques ne sont pas uniquement liées sur l'aspect physique. Ouais, et attention à ce. Et ça sera un pénalty, ouais, effectivement. Rylan Garda qui a été pris par la main de Kenzo Noël. Le ballon, il était magnifique, magnifiquement donné, dans le bon timing. Voilà, face à face, Kenzo Noël d'un côté, Mathis de Tourbé, pensionnaire de l'équipe de France U17. C'est parti. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté en deux temps par Kenzo Noël. Super parade. Attention à ce ballon de Traoré. Ça s'est bien joué au deuxième poteau. Et là, c'est l'égalisation. Et ben voilà, Mathis de Tourbé qui avait raté le pénalty tout à l'heure et qui vient égaliser. Qui reprend. Alors, c'est une superbe action. Hein, Traoré au départ. On voit le très très bon débordement. Après, on voit là que la défense nancienne est très compacte. Hein. Tout ça. Et c'est la mi-temps ici au stade Marcel Picot. Le plaisir est vous libérer. Ça y est, je pense ça. 20 premières minutes, en vrai, c'est pour s'habituer, le public, le bus de casquette, on en parle, c'est plus de priorité. Ça fait 15 jours qu'on parle, qu'il marque là-dessus, il met une grande chandelle et on se regarde tous. On se regarde. Mais c'est bien, il fallait qu'on le prenne. Après, ça nous a libérés. Mais vous savez quoi? Là, on a joué à 60%. On a joué, et certains, ils ont même joué à 30%. Mais tant mieux, parce qu'il reste 45 minutes. 45 minutes pour ça y est. On est revenu, on est tout dans le match, ça se parle. On gagne le duel, on se parle, et on est libéré. Et on est libéré. 45 minutes. Les joueurs qui vont rentrer, les gars, on va avoir besoin aussi. Mais on est libéré, ça y est, on l'a senti, nous, de suite. Par contre, maintenant, ils sont fatigués. Dernier quart d'heure, dès qu'on s'est mis à jouer, ils n'ont pas touché un ballon. Pourquoi? Parce qu'on, ça y est, on s'est mis dans le rythme, on s'est mis à notre niveau. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a encore 40% dans les jambes. 40%. Et là, par contre, on va le mettre. Là, ça y est. Là, on va finir. On va finir d'écrire cette étape. D'accord? 45 minutes à fond et libéré. C'est bon? Est-ce qu'il y a des blessures? Non. Allez, c'est parti. 45 minutes de plaisir. 45 minutes, on va prendre. 45 minutes, on donne tout. D'accord? On continue sur ce lancer, on ne fait pas de faute, on respecte les consignes. Et dans les 20 derniers mètres, plaisir. D'accord? Et 45 minutes, on est à 45 minutes. Retour pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale de la Coupe Gambardella. Avec un relais sur Petrilus, ça s'est bien joué pour Ryan Garda. Frappe à bout portant. Petrilus dans la surface de réparation. Et ça sera un corner. On peut imaginer la pression qu'il peut y avoir. Traoré avec un numéro, un sacré numéro. Et c'est super bien défendu là, la part de Noaya. Pirillus. Tom Chupin. On a bien joué avec Pirillus. Le relais vers Pirillus. Rylan Garda. C'était bien joué hein, cette action troyenne. Et là, peut-être à l'inverse, un ballon de compte pour Erwan Daou-Cordier face à Enzo Coste. Il est passé, Cordier. Il centre au deuxième poteau. Wow, on a eu une occasion de chaque côté. Avec ce ballon, point de pénalty. Voilà, une belle opportunité. Mais il récupère le ballon. Et c'est terminé. Et on voit les joueurs de Nancy qui se sont... certains s'écroulent sur le terrain, ils n'en peuvent plus, je pense. Une séance de tir au but qui se jouera face au COP Troyen. Allez, on va voir les tirs au but. Allez, c'est parti. Enzo Coste face à Kenzo Noël. Et face au COP nancéien. C'est bien tiré de leur joueur favori. Il prend son temps.
course d'élan assez longue. Idrissa Sabali, pied gauche. Et bien tiré, Tutti, face à Djordjevic, c'est réussi. Le 25 mai prochain, Traoré, c'est bien tiré. Pour Erwan Daou Cordier, qui envoie à l'AS Nancy Lorraine en finale. Les gars, juste une chose, on est triste, comme ça. La vie d'un sportif, il y a des très hauts, il y a des très bas. Quand au final, on avait gagné au péno. Le match, on a dominé. Deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu l'occasion. Nous, on a manqué d'efficacité. Et c'est comme ça. Il faut juste que ça nous serve d'expérience dans votre parcours. En tout cas, ça ne remet pas en cause tout ce qu'on dit au staff. On pense de vous. Et je tiens à remercier le staff qui a donné le maximum depuis 2 ans. Ça fait 2 années de travail, les gars. C'est pas que depuis la Gambarde. Ça fait 2 années qu'on travaille ensemble, qu'on travaille avec le même staff. Et ça ne change pas ce qu'on pense de vous. Franchement, on est très très fiers de vous. On part la tête haute, même s'il y a la défaite, on a tout donné. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de sportif. Mais en tout cas, les gars, sachez une chose, c'est qu'on est très très fiers de vous. Ça ne remet rien en cause, d'accord? Tout le monde, vous êtes plus qu'une famille pour moi, d'accord? Donc, c'est comme ça. On oublie et je suis persuadé que certains... Je serai prendre un plaisir à vous revoir jouer à très haut niveau et vous vous rappellerez malheureusement et j'espère que vous lèverez une Coupe de France, une Ligue des Champions, quelque chose comme ça, d'accord? Mais on regrette pas, on a tout donné ou pas? Ouais. Eh ben voilà, c'est tout. Et en tout cas, fier de vous les gars, ça a été un plaisir de travailler 2 années avec vous. Allez. Allez.